Père de famille, il est également l'inspiration de toute une nation. Nous parlons du domaine de la culture, mais dans toute sa grandeur, justement, parce que cet homme a été aux côtés des grands artistes que vous avez connus ici. Lorsqu'on parle de production et de management, attention, ceux qui aujourd'hui se réclament les détenteurs du titre n'ont rien compris, parce qu'il y avait des personnes qui ont même créé le domaine avant qu'eux ne viennent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette émission une icône du domaine culturel. Il se fait discret, il se fait tout petit, alors que derrière, c'est lui qui a orchestré tout ce que vous voyez là, tout ce qui est émission, les plateaux, la musique, la production et surtout la réussite. J'aimerais juste vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, notre invité que je n'ai pas encore annoncé. Non, monsieur le ministre, ne soyez pas pressé, on a tout le temps, c'est 1h15 d'émission. Mais avant de vous annoncer, je dis quand même bonjour à mes panélistes. Bonjour, hein. C'est... Comment ça va? Ça va super bien. Alors, monsieur Joël, il y a une dominance de jaune ce matin. Il y a une dominance de... Oh, toujours... J'aime la salopette, si. Il faut faire le tour. 180 degrés. C'est vrai que tu ne m'as jamais vu en salopette. Alors, j'ai quelque chose pour toi. Avant, je mettais beaucoup de salopettes. Je m'identifiais aux garçons, tu vois. Parce qu'on me disait que je... On m'appelait Nusubi Gomenoto. Ça a une connotation très négative. Voilà, mais quand j'étais enfant, j'étais beaucoup plus avec les garçons. Parce que lorsque je me retrouvais avec les filles, je les trouvais plus jolies que moi. Voilà, et donc je m'identifiais aux garçons. Et là, je me sens très bien. C'est comme si j'avais encore mes années 5 ans. Tu vois, ça me fait beaucoup de bien en tout cas. Donc oui, la salopette. Good morning. Alors, comment tu vas toi, Joël? Ben, ça va super bien. Un peu fatigué, mais bon, toujours pour servir la nation, on est prêt. Attention quand même. 5 questions pour détrôner notre invité. Linus National, bonjour, international. Bonjour tout le monde. Bonjour Linus. Alors, est-ce qu'elles sont bien corsées les questions d'aujourd'hui, ma chérie Coco? Ben, écoute, j'espère bien, hein. J'espère qu'on va, au travers de ces questions, découvrir davantage notre invité et qu'il va nous donner des réponses franches. Je regarde droit dans les yeux maintenant et puis je sens que son cœur n'est pas en paix non plus. Hein. Ça commence à monter la tension quand même. En tout cas, merci de toujours bien préparer ces questions. Et d'ailleurs, je suis fière de toi. Je ne te le dis pas tous les jours, mais I like the way you piège des Avant toi, c'est un peu plus compliqué. Alors, Monsieur l'Oracle a pour devoir de nous parler de notre invité. En partant de sa date de naissance, on va à la découverte de sa personnalité. Est-ce que c'est une personne douce, une personne déterminée, une personne qui aide les autres? Est-ce que c'est une personne qui aide les autres? Est-ce que c'est une personne qui aide les autres? Est-ce que c'est une personne qui aide les autres? Parce que la pause a besoin d'être aidée. Merci beaucoup. On va savoir ça tout à l'heure hein, dans Bizarre avec toi. Bonjour, Oracle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. On attend juste le moment pour que la calebasse nous donne tout ce qui concerne l'invité du jour. Merci beaucoup. Ouais. Et comme toujours, notre invité, il est toujours très jeune. Hein. Ah ouais. Il est jeune, il est bel homme, c'est pas à moi de le dire. De toute façon, j'imagine le nombre de cœurs qu'il a dû briser, mon Dieu, et qu'il a dû recoller aussi, attention, hein, quand même. Parce que, et quand je le regarde du haut de son âge d'aujourd'hui, quand même, c'est mon père, c'est mon doyen, c'est mon aîné, mais il reste toujours aussi charmant. Si ça n'a pas été que j'avais un cœur dur. Océane, hein? J'ai un cœur dur, tu vois. La carapace de la tortue. Alors, comment qu'il fait pour avoir une forme aussi athlétique, qu'il soit aussi charmant, aussi frais? J'aurais bien aimé savoir s'il utilise qu'une technologie, parce qu'il a aussi une peau un peu truc. Mais tu vois, tu vas m'aider à ça. D'abord, bonjour à toi. Good morning. Comment tu vas? Bien. C'est joli, le jaune te va merveille. Thank you. Toujours là. La voix est toujours là. J'aime bien aussi. J'adore. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour chez vous à la maison. Aujourd'hui, on a un grand homme à la maison. Mm-hmm. Il est toujours bien. Bien dans son corps, physiquement bien. On va savoir pourquoi, comment il fait ses secrets et tout ça tout à l'heure. On a l'intention de vieillir aussi charmement que lui quand même. Hein. C'est une intention officielle. Bien, et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Copena, si tu veux. Hein? Si tu veux, Africa,
Joël, qu'est-ce qui vous a amené un 11 mai ici? 20 ans d'expérience. Vous allez passer à la barre tout à l'heure. C'est même plus que 20 ans, je pense, quand même. Hein. Et puis, nous célébrons également avec toute la communauté. Rastafari. Thank you. Philosophie, musique. Parce qu'on y est dedans. Hein. C'est là où on chante Babylon System is the vampire. Yo. Babylon System is the vampire. All right. Non, Jeff is the boy. En tout cas, on célèbre avec vous. Restez avec nous. C'est parti pour cette émission. On va l'installer tout à l'heure, mais avant ça, vous savez ce qu'on fait de toute évidence. On vous présente notre invité. On n'aura pas de vidéo. On va partir directement avec portrait et on va l'inviter sur le plateau. Les questions choc, ce sont également les questions qui viennent de vous. Et on sait que vous les avez déjà préparées. On en a reçu des questions. Il y a des choses hein, qu'il a dû faire en douce, pensant que c'était bien caché. Alors qu'au Togo, nous avons quand même le fort de faire les guédets et de faire FBI. Donc, on est allé chercher, on a trouvé ces questions-là également, ces choses-là. Et on va éclairer avec lui. J'espère qu'il va nous faire le plaisir de répondre à toutes ces questions sans langue de bois. Voilà, c'est lancé ou pas? C'est lancé. Parfait. C'est lancé. On part pour la première rubrique de cette émission, c'est supposé être bizarre. Aujourd'hui, 11 mai, nous célébrons beaucoup de personnes. J'envoie un coucou spécial à Madame Latania Akovic qui célèbre également au souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est la présidente directrice générale de Latania Empire, donc celle qui vous fournit toutes les marques, skin technology et tout ce qui va avec. Voilà. Et à côté, on a également ceux qui soufflent une autre bougie, hein, qui ne s'appellent pas Bob Marley, non, attention, mais qui ont sur le calendrier grégorien des prénoms du jour. Justement. Bien. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2022. En PIV, nous fêtons bien sûr les Akou, Koku, Api, Kabien, il s'agit de Tilalo, Tila, Balo. Pour ce qui concerne le calendrier grégorien, il s'agit de Estelle, Stella, Stellus. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle, bien sûr, avec la prédiction de notre invité du jour. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, oracle. Aujourd'hui, le 11 mai, nous fêtons les Estelle, Stella, en l'honneur de Sainte Estelle, vierge morte en martyr au 3e siècle. Rendu célèbre par le poète Frédéric Mistral. Ce dernier avait fondé en 1854 une association littéraire avec 6 autres poètes provinciaux pour assurer la sauvegarde de la langue d'oc, le frélibrige. En langue d'oc, loup frélibrige. Il avait mis le frélibrige sous le patronage de la sainte Estelle. Le prénom Estelle vient du mot stella qui signifie étoile. Alors, nous allons partir avec la calebasse cette fois-ci pour découvrir le prénom du jour de l'invité. Il est né quand? Alors, on va voir avec la calebasse. Ah, pour la date de naissance, on ne connaît pas encore la date de naissance. D'accord, on va faire l'honneur à, on va laisser l'honneur à John de nous dévoiler les prédictions sur la personnalité de notre invité du jour. Alors, notre invité du jour, jusqu'ici, on ne vous a pas encore donné son nom, hein, mais vous avez dû, pour ceux qui suivent toutes nos plateformes, regarder hein, l'affiche sur Facebook, Instagram et même sur TikTok. Et je fais un gros coucou à toute la communauté tiktokienne. Hein. Bien sûr, bien raison. Bien, on poursuit. Alors, l'invité du jour, il est né le 12 décembre. Nous fêtons les Corentins, Corinne, Coralie. Ces prénoms ont une origine celtique qui vient du Corventen, qui veut dire ouragan. Okay. Ouais. Ça commence bien. Ouragan, je note. Ouragan, 12 décembre. Très bonne date aussi, 12 décembre. On poursuit. Alors, vous êtes une personne sympathique et polyvalente, capable de résoudre facilement les problèmes. Vous êtes très déterminé et innovant.
noble et un peu contrôlant. En plus de cela, vous détestez parler des personnes médiocres ou qui ne peuvent pas s'engager avec vous. Vous êtes une personne opiniâtre, inventive et chaleureuse. Vous devez faire de votre mieux pour ne pas vous imposer aux gens. Vous devez apprendre à parler doucement, car ce sera ce qui poussera vos employés à faire plus de travail pour vous. Vous vous assurerez également de faire sourire les gens grâce à votre jovial et humoristique comportement. Vous croyez que l'honnêteté est la meilleure politique et les gens doivent veiller à ce qu'elle reflète dans leur vie. C'est vrai. Vous allez également trouver qu'il est très facile de parler sans penser plutôt à ce que vous voulez dire. De même, vous devez comprendre le fait que être pragmatique est l'essence d'une idée. Cela aiderait si vous étiez pragmatique et réaliste avec toutes vos idées. Alors, quels sont ses rapports avec la nature? Alors, croyez est votre métal de chance. Pardon? Croyez. Il faut chercher pour savoir. Eh bien, dis donc. Alors, votre pierre de naissance est la turquoise. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 8, le 12, le 14, le 15 et le 21. Mm. Votre couleur porte-bonheur est mauve. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont narcisse et croix de Malte. Mm-hmm. Votre plante porte-bonheur est le pastel. Et votre animal porte-bonheur... Attention. Il ne faut pas se presser. Hein. C'est pas comme si... Pourquoi tu es pressé de donner les informations? Par contre, je regarde les traits de caractère que je retrouve directement chez notre invité. D'abord, la date de naissance, le 12 décembre, c'est une date extraordinaire. Franchement, il n'y a que les belles hommes qui sont nés le 12 décembre. Attention. S'il y a quelqu'un qui se sent vilain, ce n'est pas un 12 décembre. Il faut demander aux parents, là, c'est quoi votre vraie date? Bien. Alors, on dit qu'il a un caractère d'ouragan. Il est ouragan, c'est qu'il est bouillant, chaud bouillant à l'intérieur et ça se déverse de l'extérieur. Pour confirmer cela, maman, et les ouragans, ce que vous avez dit qu'il est puissant, le nom Emerson même veut dire puissance. Voilà, donc ça fait... Qui a dit de donner son nom? Non, c'est un prénom. Je n'ai pas donné. On n'a pas encore... Pourquoi tu prends ma place pour animer pour... à ma place? Bon, faut lui donner, alors il n'a qu'à animer. Bon, maintenant, anime. Anime, continue, non? Bon, je poursuis quand même. On nous dit qu'il est polyvalent. Attention, il est polyvalent, il est sympathique, il est noble et il est contrôlant à la fois. Ça, ce sont des caractères de leader. Attention, ça lui va bien. Hein. On poursuit, on nous dit également qu'il est une chaleureuse personne, qu'il est une honnête personne et qu'il parle sans penser. Et moi, je pense directement à la capacité d'improviser. Et d'ailleurs, c'est un trait de caractère qu'il faut avoir dans le domaine des médias. Et lui, il est à la radio. Vous voyez, il applaudit. Ah oui, Yesu. Non, je suis tellement forte. L'analyse de ça. Non, mais thank you very much. Hein. Thank you very much. Bien. Maintenant, l'animal porte-bonheur. Je veux bien que lui-même, il regarde cet écran. Est-ce qu'il va s'identifier à ce qui va venir? Eh, attention! Roulement de tambour. La manière dont vous êtes bel homme dans le physique, notre cher ami invité. Si l'animal porte-bonheur ne vous fait pas... Comment on dit ça même? Honneur. Honneur! La partie honnêteté de votre bio va avoir un problème. Si la régie est avec nous, est-ce que c'est possible qu'une autre personne donne l'animal? Je vais me gêner. C'est gâté. Ouais, on réserve ça pour la fin de l'émission. Parce que ce que j'ai lu là, ça. On vient de tuer ça en même temps. Ce que tu veux tuer là, c'est ça qui tue les gens dans la nuit. Comment tu fais? Regarde, l'animal porte-bonheur est. Ça. Elle a fait où? Comment on montre à tout le monde et puis les gens se rient? Pardon, moi aussi je vais regarder. Je vais lire quelques messages d'abord. Après, on va gagner du temps avec ça quand même. Regarde-toi. Alors, bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonne fête de 11 mai. Tu vois. Mignon, puis les cas. Mignon. Comment on peut dire de si belles choses? Et puis l'animal porte-bonheur va être compliqué comme ça. Qui va lire? Il faut regarder aussi voir. Bon, allez, je lis les messages. C'est toi l'animatrice. C'est pour ça, Janine. Voilà. Alors, je passe par votre émission pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à la petite Asia Manyodewa.
Asia, Asia, c'est déjà bon, voilà. Donc, elle fait une bougie de plus aujourd'hui. C'est Jacques Agbogan depuis Dany. Merci beaucoup, Jacques. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est Juliette depuis Wahala. Vous êtes très spécial ou spéciaux aujourd'hui. Merci. Voilà, spéciaux. Et il dit ou elle dit, ah, c'est elle, Juliette. Elle dit très cool avec la salopette. Merci beaucoup, ma copine. C'est très, très gentil. Salut la pause. Salut. Moi, c'est Cafu depuis Baguida. Vous êtes tous magnifiques. Aussi, tu es chic dans ta salopette. Merci. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous pour moi? Super bien. Alors, je vous aime trop. Bonjour spécial à Miss Linus National International, d'accord? Aussi un très chic ce matin avec la salopette. On se croirait où? On se croise où, pardon, après l'émission pour que tu me la donnes? Ah ouais? C'est ambitieux, hein? On va se croiser à Thiévier. Si, si, parce qu'elle envoie le message depuis Thiévier. Ah, okay. Ça nous fait plaisir. En tout cas, on vous envoie un gros bisou. Il y a plein de messages qui ont commencé par venir. Mais est-ce que vous êtes impatient de découvrir l'animal porte-bonheur? On découvre ou bien on laisse l'invité venir? On va découvrir. On découvre. Malgré nous. C'est sous nos cieux que c'est bizarre, hein, tu sais, Océane. Même chez les Blancs, aujourd'hui, c'est bizarre aussi. C'est vrai que somehow. Tu vois, dans Harry Potter, ça a toujours un rôle assez bizarre. J'avoue. Cet animal porte-bonheur est assez délicat quand même. Et si on, c'est pas la faute de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Si on allait à la vidéo de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, faut pas non plus. C'est pas mieux. Ouais. Parce que franchement, je pense que c'est mieux. Hein. Mais non, on peut pas. On compte tu ça en même tu temps. En même temps. D'accord. Oui. Alors, comme c'est Laura qui a trouvé le rat d'une manière. Bien. Après, continue ton travail. Alors, l'animal porte-bonheur du jour, mesdames et messieurs, si vous êtes nés le 12 décembre, que vous soyez garçon ou femme, c'est votre animal porte-bonheur. Et puis, attention, vous pouvez retrouver également cet animal dans le zoo de Naïda Zombo. Ouais, elle en a toujours de l'autre côté, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais le nom du jour, c'est... Affiché. On a... Oh oui! Son animal porte-bonheur du 12 décembre. Oh, merci pour le gros plan. C'est la chouette Hulotte. Voilà, la chouette Hulotte. La chouette Hulotte. Et donc, notre invité du jour, normalement, doit avoir une chouette Hulotte toujours sur l'épaule, comme ce qu'on fait avec, tu vois, les perroquets. Là. Exactement. Ouais. Ça va lui porter bonheur. C'est vrai. Ça me fait penser à Drake, hein? C'est qui, Drake? Drake, le rappeur Drake, non? Drake, l'américain. You used to call me on my cell phone. Oui, mais moi, je connais un gars qui a chanté Drokou Meler. C'est Drake. Ça, c'est ici, chez nous. Mais Drake, oui, j'ai entendu parler de lui. Non, mais parce que je pense que c'est le symbole de... Ça doit dire quelque chose de bon. C'est nous qui rigolons ici, mais la chouette... L'animal porte bonheur, si. Si tu vas à l'église, tu regardes ça, c'est un problème. On va prier, on va jeûner jusqu'à... On se demande, mais c'est quoi l'histoire? L'animal aussi jeûne avec le prix. Ça, c'est en Afrique. Mais quand le blanc trouve ça, lui, il met ça dans la chambre, dans la maison. Animal domestique. Il s'en est fallu de peu, on l'enchaîne et puis on le tire. Sauf que lui... Il vole. Ben lui, il viendra nous expliquer ce qu'il pense de la chouette roulotte. Ouais. Hein. C'est ça? Chouette roulotte. Voilà, chouette roulotte. Roulotte, voilà. C'est ça. Ne rigole pas, c'est roulotte. Heureusement que c'est son nom chouette qu'on adore. C'est ce que ça dit, en tout cas. Ah, alors, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On vous souhaite, comme toujours, ce qu'il y a de plus beau. Hein. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, nous célébrons le 11 mai. Nous le savons très, très bien. Nous sommes en, comment je vais dire ça, en communion avec toute la communauté. Et si vous nous regardez, on vous envoie tout plein de bisous. Jambless. Voilà. On part avec la vidéo des photos des anniversaires si elle est prête. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Oui, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si problème est dans ma peau, gaga, gaga, mon kinakon.
J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Wakwatos. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Wakwatos. Allô, allô, Dieu. Ça fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un écran. No my, no my, no. Ote my, ote my, eh. Emma, Emma, no, eh. Tu es là, tu es là. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. Merci également pour tous vos messages. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes mignonne et mignon. Je passe par l'émission pour un coucou spécial à ma maman chérie qui s'appelle Sarah depuis Diaglé. Et c'est de la part d'Edem depuis Kara. Merci beaucoup, cher ami. Alors, salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Super bien. Vous êtes encore super ce matin. Bonne suite d'émission à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bien. Alors, maintenant, nous allons nous concentrer parce que les vraies hostilités vont commencer. Nous allons le recevoir ici. On va démarrer, oui, justement, proprement dit, avec une bio un peu plus approfondie de son parcours. On vous parle de plus de 20 ans de carrière. Attention, certains n'étaient pas encore nés lorsqu'il a commencé. Et donc, vous comprenez que c'est carrément humble de se baisser ou alors pour nous de nous lever lorsqu'on va le recevoir ici. Je veux bien qu'on puisse l'inviter à nous accueillir en se mettant, je vais me lever les garçons, je vais me lever, merci beaucoup, en se mettant debout parce que nous allons faire une émission spéciale aujourd'hui avec l'une des personnes, l'un des visages qui nous a inspiré pour ce métier de média que nous faisons pour l'animation, pour la musique, pour le cinéma, pour la mode également et j'en passe. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec moi, Monsieur Emerson, à Ivor, sur ce plateau. Excellence, Monsieur le ministre, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes ici, voilà, chez vous. Merci, merci. Mais j'adore cette touche de rouge que vous apportez dans ce décor de jaune dominant. Il y a un micro. Alors, bonjour Emerson. Ben, bonjour, bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tout va bien jusqu'ici? Oui, 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 tout va bien. J'ai suivi le début. Ça me donne envie de continuer. Donc, je vais vous suivre, vous allez dérouler et puis on va voir. Ça va être une belle émission. Ça va être une belle émission, ça promet de toute évidence. Et puis, de toute façon, ce n'est pas Emerson qui va abandonner. Non. On nous dit que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le même domaine, quand même. On vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Beaucoup. On va s'asseoir également par ici. Alors, Monsieur Emerson, on fait un tour de table rapidement. D'accord. Lui, il s'appelle Joël Misebouko. Oui. Ce n'est pas important. Linus national, international, interplanétaire. Ici, c'est important. D'accord. C'est une charmante fille qui a des questions qui vont vous faire vous sentir homme. Ah ouais. D'accord. Voilà, parce qu'il faut être garçon pour répondre à ces questions. À côté, mentor ambulant, c'est lui qui va nous dire qui vous êtes. Votre parcours, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce qui vous reste à faire, ce que Dieu vous demande, et toutes ces choses. On va en parler aujourd'hui. D'accord. Et puis ici, Monsieur Sport. Il y a des questions un peu comme si on vous nommait ministre des Sports, ce que vous allez changer. Attention, ouais. Madame la ministre nous suit aujourd'hui, donc il faudra savoir répondre à la question également. Mais avant toute chose, nous avons également Monsieur Yannick Smoussi qui vient avec son breuvage pour souhaiter la bienvenue. Mais avant que Yannick ne nous rejoigne, on va à votre biographie. D'accord. Hele gadi nyama nyama zono, Emerson le gadi nyama nyama zono, le gadi nyama nyama zono, iye le gadi nyama nyama zono, le
dadi, nyama nyama zolo, aiva la gadi, nyama nyama zolo, la gadi, nyama nyama zolo, angolo la gadi, nyama nyama zolo, la gadi, nyama nyama zolo. Originaire de la ville fondée par la réincarnation de Neptune Poséidon, Denu, œuvre Angolo de Togoland, digne fils de Djegbelsi. Le chant du sel, arrière-arrière-petit-fils des pêcheurs antarctiques et des cultivateurs mythiques. Des hommes qui cultivent la lagune en chant de sel. Oui, ils synthétisent l'énergie solaire en bout de sel. D'où l'expression « le soleil en miniature n'est qu'un grain de sel ». Fils de photographe, 12-12-72, le cadet d'une fratrie de trois frères voit le jour. Très éveillé, perspicace et ouvert d'esprit. Mais. Sa jeunesse fut volée par la situation sociopolitique, économique en 1990 au Togo. Il se retrouve alors dans les rues de la Gnose du Serpent Circulaire, dans Tokba, au Bénin, où le grand sage nous a chanté. Sagora derrière l'eau. Un sagora derrière l'eau. Adima vu au Nidaho. Vignon. Puis, maman, il se retrouve au pays de Léopold II. Dans les rues du Boumès Wallon. La vie est belge, ça vous dit quelque chose? Oui. Ah oui, la vie a été belge chez vous. Des années plus tard, il se retrouve sur la terre de nos aïeux et se soucie de l'épanouissement du boom juvénile. Mm-hmm. Comment sortir cette jeunesse dans sa quête d'identité? Après la grève générale du Togo, il rentre dans l'investissement humain avec des associations, listes pour jeunes par ici, des émissions radio par là, homme de culture qui a produit de grands artistes togolais, dont le groupe mythique The Seed. Il est acteur cinéphile et a plusieurs réalisations de films à son actif. Gestionnaire de stock informatique qui est à la tête d'une entreprise familiale de trois générations. Ça s'acclame, s'il vous plaît. Wow. Maintenance industrielle, fourniture de peinture industrielle, câblerie, codage, tout matériel qu'on peut retrouver dans la zone portière, dans tout ce qui est maritime. Mm-hmm. L'homme est animateur, producteur, émission, radio, Sans Tabou, Free Voice, Table Ronde, à l'époque à la radio Zephyr. Aujourd'hui, il se produit avec On se dit tout sur Radio Nana FM, tous les jeudis à 20h. L'homme, il est créateur de marque 1272. Ouais. L'homme, il se nomme tout simplement Emerson Aivor, que je vous demande. C'est une très belle biographie. Je l'aime beaucoup parce que ça nous a fait voyager. On a quitté le Togo, on a fait le tour de la sous-région, on est parti en Europe et on est revenu au Togo. C'est ça, mais il faut être vraiment courageux pour prendre la décision de revenir et de reprendre tout de zéro, alors de donner un certain élan à une jeunesse qui manquait peut-être de repères. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne le voit pas. On cite de grands hommes, mais il se fait tellement modeste et discret qu'on n'entend pas parler de lui. Pourtant, on dit que c'est lui qui a fait le groupe des Seeds. Et Senza, je ne veux pas beaucoup parler, je vais garder ça comme ça. Maman, bon, allez. Parlons de ce groupe. Grâce à lui, ce groupe a fait deux fois une tournée européenne. Non. Et deux fois une tournée américaine et une tournée... Dans la sous-région. Et trième et quoi? Dans la sous-région, voilà. Bravo, bravo, Nelson pour tout. Vraiment, merci. Bravo, merci franchement. À quand la tournée de la pause? Ah ouais. La pause fait déjà une tournée à Lomé. Oh.
Bientôt, ce sera... on va faire national d'abord. Mm-hmm. Et si vous êtes à la hauteur de la chose... Ah, on n'est pas suffisamment à la hauteur. Non, quand je dis... C'est-à-dire que Lomé, ses environs, vous... Enfin, vous Lomé, on est dans la bassesse. Enfin, ils vous connaissent. Non. C'est-à-dire que si vous partez, vous organisez l'émission, par exemple, à Palimé, à Takpamé, à Sokobé. Là, on monte dans les hauteurs. Voilà. Ah, à partir de ce moment-là, c'est de ça dont je parle. Mais son voisin, il est bien arrivé. Il est bien arrivé dans la pause aujourd'hui. Bien. Alors, tout à l'heure, elle va vous poser 5 questions. C'est juste 5 petites questions de rien du tout. Mais avant que vous ne puissiez répondre à ces questions, il faudrait que vous buviez et que vous soyez bien à l'aise, que vous retrouviez tous vos sens, parce que là, oui, il y a des questions choc. Ça commence à monter la température. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je vais inviter M. Yannick Smoussi à nous rejoindre ici. On va quand même applaudir ce charmant garçon qui offre ce breuvage que l'on appelle jouvence de la pause à tous nos invités. Le mariage de ça. Le rouge et le rouge. Qu'est-ce que ça augure? C'est quoi le message derrière? C'est quoi le message derrière? On nous dit que c'est un ouragan. Peut-être. Allez chercher. Bon, alors, je dois boire sans savoir ce qu'il y a dedans ou bien... Ça vient, il faut pas être pressé, ça vient tout doucement. Bonjour Yannick. Bonjour Céane, bonjour à tout le monde. Bonjour M. Versan, bon arrivé chez nous. Merci. Et tu as posé une question, vous avez posé une question, pardon. Et je vais demander à l'équipe, est-ce que vous voulez... On s'est fait qu'il pense Moussia, M. Versan, mais il faut le voulez... vous voyez, non, on est à la télévision. Ton ancien client. Est-ce que vous voulez qu'il découvre ou devine en tout cas ce qu'il y a dans ce breuvage? Ah ben oui. Mais bien sûr, pourquoi absolument. Est-ce qu'il ne devinerait pas? Absolument. Surtout que c'est sur cette rubrique qu'on se fait beaucoup de sous, c'est que tu ne vas pas quand même casser ça. Alors, monsieur Emerson, oui. Bon, à vous l'honneur de goûter. De goûter. Vous devez nous dire quels sont les fruits qui ont participé à la production de ce smoothie. Ce cocktail smoothie. Vous avez 5 chances. Oui, mais... J'ai senti de l'ananas. Yannick? Oui. Bravo, un point. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais puisque je sais qu'on parle de, on parle de moi en parlant d'ouragan et tout, je me dis qu'il a mis peut-être du gingembre dedans. Non. Mais je ne l'ai pas senti. Ça fait 10 000 pour la pause. D'accord. Donc, c'est de l'ananas. Je crois qu'il y a essentiellement de l'ananas. Je n'ai pas senti d'autres fruits. Parce qu'il y en a beaucoup. On a fait le smoothie avec combien de fruits aujourd'hui? 4 fruits. Quatre fruits. Okay. Donc, un peu. Emerson, ça fait 30 000. Hein. Il faut fermer les yeux, peut-être que le goût va venir. 30 000. C'est 30 000. 30 000, hein. C'est 30 000, c'est pas grave, c'est pas cher. C'est pas cher. On va déjà encaisser. La vie. Belle. En fait, ça m'inspire toujours une chanson, mais je suis contente d'ailleurs. Ça non, mais sérieusement, l'ananas prend le dessus sur les autres fruits. Oui, l'ananas prend le dessus, c'est pour ça. Parce qu'après, on n'utilise pas de sucre. Et on a utilisé l'ananas pour sucrer. Donc, il y a beaucoup essentiellement de l'ananas. Mais à part l'ananas, nous avons aussi de la mangue. Okay, nous avons des oranges dedans. Et puis, un fruit qu'on appelle prune. Oui. Oui. Noir. Oui, noir comme ça. Bravo Yannick, aujourd'hui tu nous as fait gagner. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai douté de monsieur le ministre quand il est venu au studio? Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ah ben voilà, ça peut augmenter la mise. Oui, on va faire un petit tour dans les cuisines. D'accord. Et dans la gastronomie africaine. Okay. Avec quelques questions qui vont passer à l'écran et vous allez me donner des réponses. Juste 3 questions. D'accord. Donc voilà. Est-ce que j'arrive? Toute première question. 30 000, 60 000. Oui. Alors, toute première question. Alors. À quoi la cuisine africaine fait-elle largement appel? 1. Aux fruits. 2. Au sel. 3. Aux épices. Il n'y a personne dans le studio. Aux épices. Vais vous... aux épices, en fait. Alors, M. Emerson, il y a des personnes dans le studio qui vous soufflent les bonnes réponses. C'est pas non, non. De toute façon, tout le monde sait que quand on veut donner une couleur à la cuisine africaine, on dit que c'est épicé. C'est voilà. Donc. Merci. Donc, Yannick. Soit c'est vous que je mets au piqué, c'est-à-dire que vous allez rester de dos et répondre, ou alors ce sont eux qui vont rester de dos pour regarder l'émission. À vous de voir. Hein. Si quelqu'un parle encore, vous allez voir. Bien. Deuxième question. Quel pays produit du vin? Africain, bien sûr. Du bon vin. Le Bénin, l'Angola ou l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est le Togo,
Mais que la personne a fait le tour du monde. Non, mais de toute façon, moi, je vais être partagé. Parce que si nous parlons du vin à base de raisin, on va en Afrique du Sud. Mais si on est sur du vin de palme, on est au Bénin. Oh, bon. Yannick, tu as donc, vu. Yannick, on te fait grâce de la troisième question. La manière dont tu évolues, là, ne nous arrange pas. On doit gagner 60 000 minimum aujourd'hui. Moi, on a déjà gagné 30 000. Donc, oui, mais là, on a perdu 20 000. C'est la dernière question, c'est pas grave. Donc, dernière question. Dernière question. Qu'est-ce que le sossati? Sossati. Un ragoût de mouton aux ignames et aux épices. Fantabulous. Des brochettes de mouton marinées et grillées. Du bar au gingembre. Sossati. Sossati. Ça ne me dit rien du tout. Moi, je viens de la plage des Noix côté. Ça ne m'inspire rien. Mais il faut peut-être choisir. Oui, je vais choisir le deuxième. On revient. Le deuxième. Oui, des brochettes de mouton marinées et grillées. Ça s'appelle Titinga. Hein. Ah, ben voilà, vous lui avez donné un autre nom. Vous savez, tous les repas, on peut leur donner des noms. N'est-ce pas? Ouais. On va vérifier avec Yannick. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Mais comment il a fait? Bravo, Emerson, bravo. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur Emerson. Merci, Yannick. Oui. On peut le raccompagner un peu plus. Merci, notre confrère qui est charmement habillé aujourd'hui par Emerson. Attention, je vous parlais de sa petite touche vestimentaire. Il a sa marque, justement, qui m'a déjà habillé lorsque j'ai commencé la télévision. Je ne vous parle pas de mes années maternelles. Hein. Il était déjà là, lui. C'est vrai. C'est vrai. Il avait oublié. Sur le 6-8, c'est dans son jogging que je faisais le sport. Et quel sport, mon Dieu! Merci pour la démo. Le vrai sport, attention. Bien, on va poursuivre maintenant. Alors, John A.K.A., donne-nous juste quelques minutes. On va partir pour le jingle de 5 étoiles, parce que les questions qui arrivent vont carrément l'emmener dans les étoiles. Est-ce qu'on peut avoir l'inu, s'il vous plaît? Jingle, les gars. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférence débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Ficilum, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones, engagé pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut Français du Togo, la Posémission TV, Bureau National aux Zones du Togo, Pano Group, Togo Navette, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Anolé Agnomissi, Goué Akoué, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook, Ficilum Forum. Email ficilum@gmail.com. Ficilum, jusqu'au bout de la perfection. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Thank you.
Merci beaucoup. Alors, monsieur Emerson, ne vous fiez pas à ce sourire, c'est que de l'illusion. Mais non, Océane. Les questions ne sont pas aussi agréables. Linus National. Mais non, Océane. Alors, monsieur Emerson, rebonjour. Oui, bonjour. La toute première question, en fait, c'est assez délicat de temps en temps. Je sais que vous avez peut-être fini avec les castings, je n'en sais rien. Et s'il vous était donné d'arriver sur un casting ou d'arriver chez un employeur et qu'il vous demandait de vous définir humainement, pas professionnellement, mais humainement, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Oh, ça fait beaucoup de choses. Je dirais que je suis quelqu'un de complet. Hein, complet, direct et de passionné. Je dirais ça. Et puis, le plus important pour moi, j'ai appris à comprendre qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Okay. Donc, le plus important pour moi, c'est de porter l'autre pour lui montrer que tu vaux quelque chose de plus que ce que les autres voient et ce que toi-même tu vois. Et c'est ce constat m'a permis de travailler avec beaucoup de gens et de les mettre en avant sans me sentir lésé par quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est... Ça paraît tellement parfait, on se demande si vous avez des défauts. Oui. Si oui, quels sont vos défauts? Oui, j'en ai plein. J'en ai plein, je suis... C'est bon à savoir. On se sent moins seul tout à coup. Non, j'en ai comme tout le monde, mais j'évite d'avoir comme défaut, et que c'est le manque d'humilité, d'abord. Et, parce que quand ça arrive... que tu as l'impression d'être au-dessus des autres, ça te perd, parce que tu n'écoutes plus les autres. Donc, ce défaut-là, j'évite vraiment, mais je suis quelqu'un de... Je donne tout en même temps, mais je reprends tout en même temps aussi. Rancunier, est-ce que ça implique avant, oui. Okay. Mais puisque je n'ai pas envie d'être rancunier et de porter la personne en moi tout le temps, je préfère dire que cette personne n'existe plus. Waouh. C'est radical, mais c'est radical. C'est radical, et je sais que mon âme m'aide, parce que quand je dis que je ne veux plus, ça veut dire que la personne change carrément de mon environnement. Je vais renchérir dessus. Est-ce qu'il est une personne ou des personnes pour lesquelles aujourd'hui vous pleurez de ne plus être aussi proche? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Sincèrement, non. Parce que j'ai toujours été là pour les gens. Donc, si quelqu'un quitte mon environnement, c'est qu'il n'avait plus sa place. Ok, bien. Alors, on passe à la prochaine question. Est-ce que je peux lire un message rapidement avant qu'on aille à la prochaine question? Alors, coucou la pause. C'est très mimi ce matin. Coucou à l'invité. Dites-lui, s'il vous plaît, que Huguette fait du bon travail. C'est depuis Azaron que le message vient. je sais qui c'est, en plus. Est-ce que c'est vrai qu'une certaine Huguette fait du bon travail? Oui. Elle le fait depuis une vingtaine d'années, déjà. Donc, ça veut dire que ça se voit sur tout ce que je fais. Huguette, vous faites doucement aussi. Petit saison dans le monde. C'est un homme ou une femme? Comment Huguette va être un homme? Un monteur ambulant. Moi, je connais que les Kodjo à Yawa. Huguette, c'est une femme. C'est une femme, ah, OK. Mais on reviendra dessus. Ça, c'est un secret de Polichinelle. On poursuit. Alors, on poursuit. On a dit, en tout cas tout à l'heure, au début de cette émission, ça fait plus de 20 ans de métier. Oui. En tout cas, dans les médias et surtout en radio. On va écouter un tout petit extrait de ce que vous avez pu produire en termes d'émissions radio. Et on revient juste après, si la régie est avec nous. On fait du tout. Allô, bonsoir, c'est qui? C'est la Queen of Bamou. Ça va? C'est Trinidad. C'est le fougueux de la France. Qui n'aime pas le sexe? Les guides. Tout le monde cherche à se faire éclaircir la peau. Il faut faire... et elle sort. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'arrives pas à atteindre le niveau de celle qui est le copier. Un jeune qui sent moins, pas trop musclé, que ce soit comparable à ma taille. Ouais, vient de te déclarer ta flamme. Hey, maman, il ne faut pas m'oublier. Une fois qu'on a aimé quelqu'un, il y a toujours un lien qui est là. On se dit tout avec Chris. Ah ouais. On se dit tout, hein. Voilà. Oui. Alors, j'ai fait un peu de radio. D'accord. Et très souvent aujourd'hui, quand on me demande radio ou télé, je dis radio. Parce que j'estime que j'ai une relation particulière
avec la radio et je voulais savoir. La magie de la radio, ça se manifeste comment chez vous? J'ai toujours l'impression que les gens s'ouvrent plus facilement s'ils n'entendent qu'une voix. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'en venant dans cette émission, on en a parlé avec Joël, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir qui est Chris. Parce qu'il y a des gens que j'ai accompagnés pendant des années qui me connaissent aujourd'hui en disant « Mais quand j'avais 17 ans, j'écoutais déjà ton émission. » Donc, c'est une voix qui est restée. Et à un moment donné, je voulais... Et quand je viens sur les médias télévisuels, j'ai toujours gardé mon nom Emerson, mais à la radio, c'est Chris. Donc, les gens ne savent pas faire le lien entre les deux. Donc, c'est... le rapport qu'il y a, c'est qu'il y a une voix qui est là et ça laisse le temps aux gens d'imaginer plein de choses. Et c'est beaucoup plus intéressant. Plus intéressant. Est-ce que vous avez déjà été harcelé par quelqu'un qui adorait votre voix? Oui. Alors, ça s'est passé comment? En fait, quand on fait une émission où on parle de cœur, on est à l'écoute des autres. Tout à fait. Ces personnes ont souvent l'impression... Et des fois, c'est de fausses impressions qu'on a le temps pour eux. Exactement. J'ai une émission qui se passe tous les jeudis, 20h à 22h. Mais après ça, il y a des messages qui arrivent. Et il y a un staff qui est derrière, qui doit voir les messages qui sont les plus importants et pour qu'on puisse répondre à ça. Oui. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a plus de 100 messages qui arrivent en même temps. Donc, des fois, il y a des moments où les gens ont l'impression que, parce que je suis direct, et parce que je leur trouve des solutions, ça veut dire que je suis un peu l'idéal d'homme. Mais ce n'est pas ça. Parce que quand on est en dehors d'une relation, on a plus de vision, on a plus d'esprit, de critique ce qui se passe. Donc c'est ça mon avantage, en fait. Je suis un peu le grand frère, pas le psychologue. Moi, je dis souvent que... On a commencé à être coach depuis 22 ans, avant que le terme même de dire coach ne sorte, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est vrai que les gens vont s'attacher à ta voix, mais au-delà de toute chose, il ne faut pas en faire trop. C'est pour ça que je ne cherche pas à rencontrer les gens, parce que bon, y a la magie aussi de la chose qui... Faut pas s'en dévoiler, c'est vrai. D'accord. Justement, parlons de ces sujets de cœur. Est-ce qu'il y en a un seul qui vous est retenu? Qui a été émouvant ou qui a été rocambolesque ou que vous avez pu résoudre pour quelqu'un. Oui, je me rappelle, on a rencontré, on a eu à connaître un jeune homme qui est du Nord, qui était venu dans l'émission pour nous dire que voilà, il est sérieux avec sa copine, que tout se passe bien. Malheureusement, pour rencontrer la belle famille, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, on dit qu'il est du Nord. Et dans une blague, je crois que Joël était là, je lui ai dit, ben, tu sais, la meilleure chose, au lieu de te présenter en allant dire à ta belle famille que tu es du Nord, il faut leur dire que tu viens du sud du Burkina. On a bien rigolé par rapport à ça. Parce que le sud du Burkina, c'est le nord du Togo, c'est le sud du Burkina. Et si c'est le nord qui pose problème, changeons le nord en sud. Et cette personne aujourd'hui est mariée avec cette femme. Wow. Ils ont deux enfants. Ça a marché. Bah oui. Donc, magnifique. C'est notre docteur Love, hein, oui, du Togo. Notre docteur Love. Oui, donc on essaie d'apporter quand même quelque chose de spécial dans la vie des gens. La résolution d'un problème aussi facilement. J'ai compris. Je sais qu'on peut avoir la solution à tous nos problèmes. Absolument. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Alors, Océane, tu l'as appelé Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre. Si demain il advenait que Monsieur Emerson soit ministre de la Culture et qu'on avait besoin d'avoir 20 artistes togolais connus un peu plus à l'international. Quelles étapes est-ce que vous proposeriez? Qu'est-ce que vous feriez comme action? Nous l'avons déjà fait à une certaine période. C'est comme l'a dit Océane tout à l'heure, on reste dans l'ombre. Parce que en 2017, avec mon équipe composée de Melbo, de Annika, de Kevin Alao, on était huit personnes. On a initié, parce qu'à l'époque, en 2007, il suffisait qu'on dise « il y a DJ quelque chose qui arrive, le palais était rempli ».
la musique togolaise était totalement effacée. Et on a fait un projet. On a fait un projet à partir de ce moment-là. On a dit, ben, il va falloir qu'on relève le niveau de nos artistes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire les concerts gratuits. Quand la population vient au Palais des Congrès gratuitement pour venir écouter 22 artistes togolais, automatiquement, il y a des affinités qui se créent. Et c'est comme ça qu'on a remonté la pente. Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui peuvent vous dire que c'est à travers ces concerts-là qu'ils ont pu faire leur album. Parce que, et c'est là même qu'on a dit qu'à partir de ce moment, quand tu viens, tu fais juste deux chansons, quand même, il faut avoir un cachet de 100 000 francs. On s'est battu pour ça, pour avoir un minimum de 100 000 francs pour une prestation, même si la chose n'était pas bien, bien comprise au départ. Donc on a déjà fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on était ministre, bon, on n'a pas nécessairement besoin d'être le ministre pour tout faire à ça. Fait. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu la chance d'être dans le... Comment dire ça? D'avoir créé un groupe, de les avoir accompagnés, et j'ai vu les difficultés. Donc, en matière de musique et de cinéma, je connais les réalités qu'il y a. Donc, peut-être que ça me permettra de dire que la meilleure chose aujourd'hui, pour qu'on puisse donner une couleur à la musique togolaise, c'est le média. C'est-à-dire que TVT aujourd'hui est sur Canal, et s'il y a une émission musicale d'un certain niveau où les gens peuvent venir voir ce que nos artistes sont capables de faire, on écoutera moins Dadou que Centrinos, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc il faut mettre de la lumière, on mettra de la lumière sur nos artistes. L'État peut se permettre aujourd'hui de dire, bon, ok, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions, j'organise un concert à Cotonou, rien qu'avec les artistes togolais, pour faire découvrir la musique togolaise aux gens. Et ça, ce sont des choses qui sont... ça aura de l'impact sur et la musique régionale et les artistes togolais. Parce qu'il faut être coopté. Ouais. Si tu ne fais pas du bon, tu ne représenteras pas le Togo ailleurs. Et en parlant de Cotonou, le groupe Décide a été le seul groupe au Togo à avoir gagné leur festival de Sika à une certaine époque. Donc, c'est pour dire que si on donne les moyens à l'artiste togolais, il va aller très loin. Et moi, mon problème, c'est de laisser passer les médiocres. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut le reconnaître. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et il y a des gens qui disent, oui, toi, tu exprimes plutôt la musique par rapport à ceux qui chantent en français et tout. Ça n'a rien à voir, puisque le groupe Décide, on a fait des chants dans plusieurs langues, même en anglais. Donc ça n'a rien à voir. C'est que moi, je veux que ce soit compétitif. Que la musique qui passe, quand tu arrives à Accra, tu arrives quelque part sur scène, tu puisses développer ta musique. C'est ça le plus important. En tout cas, merci infiniment, monsieur le ministre, pour ce moment de vérité, qui commence bien d'ailleurs. Et donc, on va poursuivre dans notre programme. Si vous nous le permettez, nous allons évoluer avec votre permission. Il n'y a pas de problème. D'accord. En marquant une petite pause avec le jingle de Diri Wisdom à Javan. Lui-même, il est à côté. Il va arriver avec la chaise jaune. On va faire descendre notre invité dans le carré. Cacophonique. Jingle. Ah bon? Alors, monsieur Emerson, vos fans, les personnes qui vous suivent depuis des années sur vos émissions, ou encore les personnes qui vous ont côtoyé dans le monde de la culture et du cinéma, ont des questions à vous poser. Ces questions ne viennent pas de nous, ces questions viennent de ceux qui vous affectionnent particulièrement. D'accord. Nous allons partir avec la toute première. Vous avez le droit de répondre ou de ne pas répondre si tant est-il qu'une question vous gré ou ne vous gré pas. C'est à vous de voir. Première question. Bonjour La Pause, j'espère que vous allez tous bien. Superbe émission comme toujours. Et si je vous contacte, c'est parce que j'ai une question pour notre invité du jour. Bonjour Monsieur Emerson, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, nous savons tous
qu'être du domaine culturel, ce n'est pas aussi aisé, et l'être au Togo, c'est encore plus difficile. Alors, j'aimerais savoir comment arriver, malgré les difficultés, à tenir et quelles sont vos relations avec les managers. Merci beaucoup et bonne suite d'émission à tous. Réponse. Oui, je crois que c'est la passion qui porte la chose. Parce que si c'est, quand on arrive dans le milieu de la culture, si c'est l'argent qu'on attend, on est déjà mal barré. Et comme je l'ai dit, le rapport que j'ai avec les managers, c'est de leur faire comprendre quand même que je sais d'où ils viennent, je sais comment, enfin, quelles difficultés il y a. Et on est là pour les accompagner. Je suis là à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils, c'est facile. On se voit et puis on en parle. Deuxième question. Pour la pause, merci beaucoup pour la joie que vous nous donnez chez nous. Et bonjour spécial à Monsieur Aïvo, notre cher invité du jour. Alors, ma question, elle est celle-ci. Monsieur Aïvo, vous êtes dans la vie associative. Dites-nous, quels sont vos rapports avec vos enfants et si l'un de vos enfants voudrait emboîter vos pas, quelles seraient les directives que vous pouvez lui donner en tant que bon papa? Merci beaucoup et bonne suite d'émission à vous. C'est très intéressant cette question parce que je suis vraiment à l'écoute de mes enfants par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Et je leur apporte, à chaque fois qu'il y a des questions concernant une activité culturelle et autres, je m'implique et j'essaie de donner mon avis sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais sachez que quand on voit papa tout le temps à la maison, on ne voit pas trop les compétences qu'il y a derrière. Donc on préfère des fois penser à d'autres personnes comme recours que de penser systématiquement à venir poser la question à papa. Donc voilà, sinon aujourd'hui je suis même accompagné par ma fille qui est là, donc qui s'intéresse un peu à tout ça et qui le fait avec d'autres personnes et je l'invite parfois à faire avec moi certaines choses. Troisième question. Comment vous allez? J'espère que vous jouissez d'une parfaite santé. Je suis ravi de vous revoir tous autant que vous êtes ce matin, en pleine énergie. Bonjour à notre invité, M. Emerson. J'espère que vous partez bien. Alors, être du domaine culturel, ce n'est pas aussi aisé. Et l'être au Togo, c'est encore plus difficile. Dites-moi, comment arriver, malgré les difficultés, à tenir? Et quelles sont vos relations avec les managers? Je vous remercie. Bonne journée et bonne émission à vous. Vraiment, la question vient d'une même famille. Parce qu'il y a le papa qui vient poser la question de sa fille. Mais ça, on a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Pour la pause. Merci pour la joie que vous nous donnez chez nous. Monsieur Emerson, qu'est devenu le groupe Décide et pourquoi l'aventure s'est arrêtée brusquement? Bonne émission à vous. Merci pour cette question auquel on répond plusieurs fois parce que tout le monde s'inquiète et pose la question. Mais je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, un parcours avec des jeunes par rapport à leur passion qui est la musique, des fois, à un moment donné, ça s'essouffle d'une certaine manière parce que les gens vieillissent, grandissent. Et quand vous faites 10 ans de carrière et que vous commencez pas à avoir vos enfants, la famille et surtout que quand la musique ne vous donne pas tout ce que vous voulez, à un moment donné, on se cherche ailleurs. Et le groupe Décide a eu l'occasion d'aller se chercher ailleurs. Donc voilà. Mais c'était une belle expérience et c'est une expérience qu'on a envie de refaire. Sauf que aujourd'hui, notre jeunesse est moins carrée qu'à l'époque, il y a pratiquement 20 ans. Aujourd'hui, il serait beaucoup plus difficile de reprendre cette expérience-là. Parce que je sais qu'il y a pas mal. Les gens qui posent la question par rapport au groupe Décide automatiquement demandent pourquoi vous ne faites pas avec d'autres. Aujourd'hui, c'est compliqué de gérer cette jeunesse-là. Parce que ça foisonne trop, ça bouillonne trop et c'est compliqué de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut être. C'est vraiment plus compliqué.
Nous sommes têtus, nous sommes têtus. C'est juste, il n'a pas dit que nous sommes têtus, mais il l'a dit d'une manière très civilisée. Nous sommes têtus au XXIe siècle. Nous avons une dernière question. OK. Bonjour Emerson. Ça fait bien longtemps depuis l'époque du groupe des CID, le centre culturel d'énigmes, liste pour jeunes, Free Voice et Sans Tabou. On nous a dit que votre papa est un talentueux photographe et même photographe du feu et à des mains. Avez-vous hérité ça de lui? Simplement parce que papa en fait aussi? Ou bien vous sentez vraiment votre talent? Merci et bonne suite de l'émission. Oui, comme on dit, mon père adorait la photographie. Il en a fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à faire, même de la production musicale et tout. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ces envies-là naissent. En nous, parce que papa l'a fait, ou bien tu as entendu dire que ton père aussi le faisait. Peut-être que c'est inné. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de faire de la photo. J'en ai fait. Aujourd'hui, j'ai plus tellement le temps d'en faire, mais c'est une passion. Et j'ai changé la photo contre l'écriture de scénarios pour le cinéma et tout. Donc voilà, on est dans un environnement où l'imaginaire prime sur le reste, et on essaie de tout faire pour concrétiser les idées, les rêves qui sont là. Moi, mon environnement me permet de dire que l'argent n'est pas une limite. Il faut rêver très grand, et après, on verra si on va trouver l'argent pour réaliser. Alors, merci à nos chers amis téléspectateurs. On garde toujours la lumière comme ça, on ne bouge rien du tout, parce que John va en poser deux aussi, des questions. Très rapidement. On vous donne 400 000 francs, excusez-moi, 400 millions de francs CFA. 400 000 là, c'est moto à Djokwan. Tu comprends, non? Alors, 400 millions de francs CFA. D'accord. On vous demande d'investir dans le sport. Quels seraient vos plans d'action? 400 millions dans le sport. Pour moi, c'est assez simple. On commencera par impliquer les écoles, parce que si on commence plus tôt, on va commencer par insuffler une certaine énergie au sport scolaire. Ça donnera beaucoup plus de fruits. Donc 400 millions, c'est pas beaucoup. Hein, c'est pour moi, pour l'ambitieux que je suis, c'est pas beaucoup du tout. Mais quand même, ça va permettre à organiser peut-être, puisque c'est le foot qui est le sport roi aujourd'hui, d'organiser un championnat scolaire en bonne et due forme, et permettre à ce qu'au niveau même du collège déjà, on puisse avoir un championnat, et au niveau du lycée aussi, on puisse avoir un championnat. À partir de là, on peut détecter les talents qui vont intégrer les grandes équipes, hein, et parfaire un peu les choses. Donc voilà, demain, eux aussi seront des internationaux comme Chéhi, qu'on respecte, et qui a les moyens aujourd'hui d'accompagner aussi d'autres jeunes. En fait, ce qu'il y a de plus important aujourd'hui en Afrique, c'est de créer des leaders qui demain vont pouvoir aider les autres aussi à franchir des caps. Ouais. Deuxième question. Alors, deuxième question, vous êtes tellement aisé, tellement bien dans le domaine sportif. Non, dans le domaine sportif, il s'exprime tellement bien. Alors, j'aimerais demander. Vous gardez la forme depuis toujours. Moi, je vous connais, vous êtes toujours comme ça. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un secret? Aucun secret. Je me bats contre mes bourrelets et tout. Mais comment est-ce que vous faites? Non, mais peut-être que c'est ma constitution. Mais je fais très peu de sport en ce moment, et je le regrette. Mais c'est ce que je conseille à tout le monde. Hein. Il faut quand même pratiquer un sport. J'adore le foot. J'adorais jouer au foot. Mais je n'ai plus le temps de rassembler les amis pour en faire. Et j'adore aussi le tennis de table, le ping-pong. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que quand on est dans la course pour réaliser ses projets, on s'oublie par rapport à ce genre de choses. Donc je prie d'avoir le courage de reprendre. J'ai même acheté chaussures, jogging et tout. Mais super.
c'est toujours dans un placard. On attend la grande motivation. Merci beaucoup, bravo, monsieur Emerson. Merci je à vous. Je me permets de vous faire lever, s'il vous plaît. Vous en avez le droit, vous le méritez très bien. Bravo. Nous avons eu des réponses extraordinaires. On remet de la lumière, s'il vous plaît, et on le raccompagne à sa place avec des applaudissements bien nourris. Entre-temps, hein, s'il vous plaît, entre-temps, les questions ne sont pas terminées parce que monsieur Joël n'a pas posé de questions sur le cinéma. On part pour le jingle rapido, ça filme, ça clape et ça préserve. Et puis, ce sera la dernière ligne droite pour finir cette émission avec notre invité qui nous doit déjà 30 000 francs. Voilà, c'est parfait. Bien, alors Jojo. Bonjour, merci de nous retrouver ici. Je lance cet élément-là et puis on va revenir pour les questions. Innocent, okay. On y va. D'accord. Non, maman, tu fais une blague, s'il te plaît, lève-toi, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Mettez-vous dans la tête que vous voulez faire bien. Est-ce que je suis en train de faire de la magie? Non, c'est ça la réalité du cinéma. Connais-toi toi-même d'abord et puis dis-toi des vérités. Accepte qui tu es. Tant que tu n'arrives pas à t'accepter toi-même, tu n'accepteras jamais le profil ou le personnage qu'on te donnera. Jamais. Là depuis 2014 à la création de ce festival et vous avez même participé. Aujourd'hui, 9 ans après, quelle est l'appréciation que vous pouvez faire de ce festival et à partir de ce festival, le cinéma togolais en général? Ben, je crois que dès le départ de ce festival, je l'avais dit que mon problème par rapport au festival, aux différents qui se passe au Togo, c'est que le cinéma même ne décolle pas, ne décollera pas s'il n'y a pas de formation. Que, en principe, quand on parle de festival de cinéma, c'est qu'il y a déjà des films qui sont sortis. Et j'en avais parlé avec vous, avec d'autres personnes aussi. Et on a dit, ah ok, donc à partir de maintenant, il va falloir que dans chaque festival, qu'il y ait des classes, des formations. Et je crois que Emergence l'a fait, Festilum aussi l'a fait. Donc aujourd'hui, je vois le parcours qui est là. J'ai rencontré les acteurs hier. J'ai eu à rencontrer des gens, des élèves, des gens qui ont participé et tout. Et je crois que ça donne quand même cette touche-là de réveiller, d'éveil de conscience par rapport au cinéma, parce que c'est une industrie. Et aujourd'hui, je me dis que si on dit qu'il y a chômage, si on se met vraiment à faire du cinéma, il n'y aura plus de chômage parce qu'on n'est pas nombreux au Togo. Le cinéma englobe tellement de métiers qu'on peut englober pas mal de jeunes dans le cinéma aujourd'hui. Donc, Festilum fait son parcours. Je sais qu'actuellement, vous êtes sur des projets environnementaux. Exactement. Et je me dis que c'est quand même important de donner envie aux jeunes de s'occuper de la nature. Parce que la nature, elle est notre mère d'abord. Donc, vous êtes partie de l'écriture, ouais. Vous écrivez la poésie, ouais. Vous êtes arrivé à la radio, vous continuez de la radio, vous avez fait de la production. Ouais. Et vous avez travaillé sur des films comme... et portable, ouais, ça ouais. S'est arrêté à un moment, vous avez décidé d'aller sur un long métrage, Fantôme à nos trousses, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On recule pour mieux sauter, en fait.
Je le dis, si je dois faire une référence par rapport au cinéma togolais, mon problème, c'est l'écriture. Beaucoup de scénaristes ne savent pas raconter une histoire et ne savent pas adapter une histoire. Et c'est un problème. Et on pêche par crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut que quand je vois l'action, je puisse me dire que ça va arriver, ça peut arriver, ou bien c'est la vie de quelqu'un qu'on est en train de me raconter. Mais par contre, il y a tellement de trucs dans les films, c'est tellement puéril, c'est-à-dire c'est comme on ment à un petit enfant, quoi. Donc, à un certain âge, tu comprends en même temps que c'est pas vrai. Et ça dénature le cinéma. Et mon conseil que je donne toujours, je le dis, si on doit nous traiter par rapport à la qualité de nos films, que quelqu'un puisse dire... Je suis allé voir le film, j'ai pas aimé l'histoire. Pas qu'on nous dise qu'il n'y avait pas une bonne musique, que les acteurs ont mal joué, que le test était mauvais, qu'on ne soit pas jugé sur ces genres de choses. Je peux aller voir un film de Sylvester Stallone et je vais dire j'ai pas aimé. Mais je ne veux pas dire que la lumière a fait ci. Non. Donc, comme Lina a dit, 400 millions, oui. c'est John, 400 millions. À partir de combien de budget pensez-vous que l'État togolais peut commencer par appuyer les dossiers de production? Si on se décide aujourd'hui à dire qu'on veut faire du cinéma, le fonds d'aide à la culture doit être exclusivement pour le cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc genre, bon, prenez 500 millions, vous allez vous débrouiller. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un fonds où des professionnels, l'État même peut engager des réalisateurs d'un certain renom pour venir voir si effectivement ce film-là va rapporter quelque chose. C'est de l'investissement. Moi, je ne parle pas, aujourd'hui, je ne demande pas de l'argent, c'est-à-dire, comment dire, je ne fais pas l'aumône à l'État quand je parle cinéma, parce que je veux qu'on gagne de l'argent. C'est du business. Donc, si l'État investit, c'est qu'il s'attend aussi à gagner quelque chose. Donc c'est un peu ça. Et ça, si on ne voit pas la chose comme ça, et qu'on pense toujours être dans l'aide à l'action culturelle et tout ça, c'est pas crédible. La personne à qui tu donnes de l'argent gratuitement, on a fait l'expérience. Si tu donnes de l'argent à un jeune aujourd'hui pour aller en studio, il te dit qu'on doit lui payer 150 000 francs. Tu lui donnes 150 000 francs, il va en studio. Quand tu écoutes la chanson, tu n'es pas satisfait. Parce qu'il y a... C'est trop facile. Ceux qui ont sorti leur premier son... en marchant de baie jusqu'à Koresewa pour aller faire le son chez quelqu'un, là. Tu vas voir, il y a de l'émotion, il y a tout dedans, parce qu'il a tout donné. Donc, moi, je ne suis plus dans le concept d'assistana pour le cinéma ou bien la culture. Super. Il faut qu'on parle business et que l'État se dise, bon, OK, si j'investis un milliard sur toi, je gagne quoi ? Alors, c'est le moment de rappeler qu'aujourd'hui, l'État a quand même pris les dispositions, est en train de passer du fonds d'aide à la culture, qui est exclusif, au fonds SICA, qui est exclusivement un fonds pour le cinéma togolais. Je profite pour vous rappeler que ce soir, à partir de 18h, au Centre culturel des Nîmes, les cérémonies officielles d'ouverture du Festilom 9e édition. Mais à partir de 15h, le professeur Camille Agbati sera également avec nous pour une conférence ouverte aux jeunes. Je rappelle Emerson et Ivor, vous êtes à la radio, vous commencez par venir à la télé, ça veut dire que bientôt vous aurez une émission de télé. Mais la question importante, que quelqu'un est venu nous parler ici, c'est que vous, Emerson, vous l'avez enceinté et que vous avez fui vos responsabilités. Et le pire de l'histoire, j'ai dit, ben, moi, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et je voudrais qu'elle vienne pour une confrontation. Une confrontation, OK. C'est un beau scénario, on va jouer ça. Des trucs comme ça, là, ça m'énerve. Tu rates le film avant d'avoir commencé à tourner ça. Hein. Il est 49, je me suis fait avoir. Aujourd'hui, c'est moi qui me suis fait avoir. Pour une fois. On va régler, c'est toujours bien, on dit, de régler les comptes en même temps. Monsieur le ministre, je vous prie, s'il vous plaît, de me rejoindre ici. Okay. D'accord, je vais demander également à mes confrères de venir. Nous allons rendre l'antenne dans quelques secondes, les gars. Mais si vous nous donnez quelques secondes, vous aurez 10% des 30 000 que je vais empocher en même temps. D'accord. Monsieur Emerson, les bons mots pour les bons amis. 30 000. Là, tout de suite. Emmenez le sac. Non, on ne va pas faire ça devant les gens. Comment? Moi, je suis très pudique. C'est les gros mots. C'est quelqu'un qui fait une émission où on crie « J'aime ça, on y sent Non, mais devant
Le peuple 40 millions de... Non, non, je suis très pudique. Je ne me dévoile pas comme ça devant les gens. Bon, oh non, mais c'est très pudique, là. Franchement, on n'a qu'à finir en rentrant. On va se retrouver demain, ça fait demain. Avec le docteur Camille Awati. Oh. Merci à la Réal. Un gros bisou. Merci. C'était M. Merson. Merci. Merci. À vous. Merci.